Sur l'American Dream, nous avons l'association Lupais, qui est... C'est un club indianiste, et donc que je respecte énormément, puisque le tipi est déjà une tradition en cela. Et puis on revient vraiment à l'historique de l'American Dream, parce que le Dream américain, il n'a pas toujours été beau pour eux. Donc je pense que si on tire un petit peu la couverture en montrant que les États-Unis c'est l'Harley, mais... Sur l'océan Indien, pour penser justement aux Indiens. Nous avons à côté de vous une Indienne de la tribu des Shoshone. Vous êtes une vraie Indienne? Ouais, natif métisse, ma maman est française et côté de mon père, Shoshone. Voilà, je m'appelle Sakayawa, puisque Sakayawa était une grande représentante de notre nation. Et c'est ma grand-mère qui m'a donné ce prénom pour ne pas oublier mes origines. Et vous êtes résident en France? Oui, à Nice, au soleil. Oui, j'aime beaucoup. Donc toute votre famille, arrière-famille, oui. Ce sont des Shoshone. Oui. Et qui vivaient où? Alors ils habitaient au Montana. Malheureusement, ils sont décédés, je suis la dernière. Et vous êtes la dernière Shoshone? Oui, bah, de ma famille, oui, en tout cas. Oui. C'est vrai, un peu comme le dernier des Mohicans. Voilà, la dernière Shoshone, voilà, c'est moi. L'association Lupais, depuis quelle année? Alors, on a créé l'association en 1983, et le but, c'était le développement culturel, artistique et sportif en milieu rural. Donc, on s'est fait connaître sur différentes activités, et depuis... Depuis trois ans, on a monté le festival indien. C'était de faire connaître la culture indienne à travers un festival, voilà, principalement. Alors ce festival, il va se dérouler cet été, oui. À La Moulière. Oui. De quelle date? Alors le festival, c'est le 8 et 9 juin. Voilà. Il dure sur 2 jours avec... Une première cette année, ça fait depuis 3 ans qu'on monte ce festival, et cette année, on va essayer de faire un spectacle le soir, spectacle repas, voilà, principalement. Et il y a environ une 60aine de stands, il y a environ une 10aine d'animations qui se fait, alors avec des animations qui sont des animations de type nature, principalement, qui tournent autour de l'art et de la nature, principalement. Est-ce qu'il y aura... des danses indiennes? Oui, alors on a effectivement... alors c'est pas vraiment des Indiens, mais c'est une adaptation. Parce qu'on n'est pas... Pour faire venir vraiment des véritables puristes, on n'a pas le financement nécessaire à ça. Mais sinon, on espère un jour arriver à
à faire venir vraiment des troupes indiennes. Mais il y en a des vrais quand même, hein. Oui, oui, il y a quand même, oui. C'est vrai qu'on est trois. Il y a aussi le tipi chaman. Ouais, oui. Voilà, quand même. Donc, on vous donne rendez-vous à La Moulière. Les dates ? Parc de La Moulière. Parc de La Moulière, le 8 et 9 juin. Ça tombe un week-end, samedi et dimanche. I've been waiting for such a long, long time. Behind the shadows of a love that used to be. Stolen moments drift like strangers. Like broken promises, why must we always meet on the other side of midnight? Come tomorrow, more tears will fall. This heart is breaking. Can I stand to lose it all? Of a crazy lover's game on the other side of midnight. On the other side of midnight.